Bonjour tout le monde, c'est Ti. On se retrouve pour la suite de House Flipper 2 et on va commencer directement avec notre petite... Alors on a quoi là? On n'a plus rien. On va aller ici, on a des nouvelles, nouveaux murs pour une nouvelle vie. J'ai essayé de réaménager mon salon parce que j'ai trouvé un mur très abîmé, quitte à faire venir quelqu'un pour le réparer, autant en profiter pour faire d'autres changements. On m'a dit que vous recherchiez ce genre de mission. Le mur a probablement pris l'humidité de la salle de bain, j'aimerais donc y ajouter quelques carreaux. Tant qu'à faire, remplacer également la baignoire par une douche. Quant au reste du salon, j'aimerais remplacer quelques meubles pour pouvoir les déplacer plus facilement quand je fais du yoga à l'intérieur ou que je reçois des invités. Et s'il vous plaît, recouvrez le mur rouge de ma chambre, il perturbe ma paix intérieure. Namasté, Marc machin truc. Je vais voir, intégration du café à la librairie. Pourquoi je l'ai archivé ça? Bah écoutez, on va commencer la mission. Et puis on va voir tout ça ensemble. Chouette maison en bord de plage. C'est très très joli. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Alors moi déjà, l'entrée avec toutes les plantes, ça je kiffe. Alors, tu as vendre tout ça. On a une tâche, on doit prendre de la peinture et finition surface. Waouh, on en a des trucs. Alors on va commencer par vendre tout. D'accord, comme ça pour vendre le papier peint. Ensuite, le truc rouge. Ça? Ah oui. Tabouret. Il y a les deux meubles. C'est quoi cette console? Ah, c'est ça à vendre. Finition de surface. Vous en avez assez de peindre pour vous. Vous pouvez également poser des finitions de surface, panneaux, papier, peint au carré. Carreaux. Utilisez d'abord pour le magasin ou les quêtes, trouvez le bon matériau ensuite. Ok. Ok, ok, ok. Je pense qu'il faut déjà tout nettoyer, non? Ouais. Oh, si ça pouvait partir comme ça, la vache. Ce serait trop bien. Ça serait méga trop bien. Il reste 3 tâches. Voilà. Ensuite, finition de surface. Non, peinture, pardon. On va l'acheter. On va mettre là. Ensuite, on prend le pinceau. Définir la zone. Attends. Tac. Tac. Maintenir pour peindre. Ah. C'est vrai que c'est par carré. Mais au moins on dépasse pas. Ok. C'est pas très très évident. Je vais pas vous le cacher. C'est très... Voilà. À court de peinture. Remarque, c'était aussi simple dans la vraie vie. La cour de peinture. Alors j'ai eu un point en plus, on va aller regarder ça. J'avais même un point en plus dans la l'éponge, dis donc. Économe le rouleau, utilise moins de peinture, il est plus efficace et inégalé. Ok. Ok. Ensuite, on va passer à la finition.
Oh, je sais pas comment ça marche. Comme ça. Motif de coupe. Ok. Ah, c'est pas mal, rotation. Ok, couleur 1, acheter. Alors comment ça marche? Ah, c'est par en bas, ok. Si je me trompe pas, je peux prendre ça. Je peux faire R, copier le style, dupliquer, voilà. Ensuite, ramasser la finition surface. Ok. Ah ouais, j'ai totalement pris trop quoi. Je pensais pas que c'était un truc comme ça. Au moins maintenant je saurai. Ah ouais, je suis un expert. Du coup, on va les vendre hein, parce que on a fait la petite erreur. C'est pas mal. Alors, c'est pas fait? Comment ça c'est pas fait? Attends, je comprends rien. Je comprends rien. Je dois le faire de partout? Fais voir l'email. J'essaie de déménager mon salon, blablabla. Quitte à faire un. Le mien. Bah. C'est très bizarre. On va voir, hein, mais. Quête, vraiment. Meuble de cuisine. Et du coup, c'est là-bas. Je sais pas, moi. Je te mets une table là. Chaise. Buffet. À tous les coups, je me gourre, mais c'est pas grave. Étagère. Mais je veux bien, mais. Facture? Bah non. Là je suis paumé, hein, je vais pas vous mentir, je suis totalement paumé.
Alors, je veux bien de l'aide. Finissons surface. Ah, faut remplacer ça aussi. Ok, il reste plus que la peinture. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, j'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur. En gros, ça, voilà, c'est... Tac. Là, c'est que de la peinture, en fait. Donc, j'ai dépensé de l'argent pour rien. C'est merveilleux. Je l'ai mis où le saut de peinture? Il est là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça et c'est ça. Sonne. Je vais mettre ça là-bas. Ça. Là. Ça, on va le vendre. Mettre ça comme ça. Voilà. C'est mieux, non? Ok, donc là je crois qu'on est tout bon. Ok, c'est bon. Ensuite, finition surface, papier peint, géométrique. Alors il le veut où?
On va relire l'email. Les murs, non, 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 non. Le mur là, là, quand on reste du salon là. Recouvrir le mur rouge de ma chambre, une partie. Le mur rouge. Ah oui, putain. Punaise, pardon. Alors. Ah, je peux changer la taille. D'accord. Ah voilà, j'arrivais plus à l'enlever. Comment je fais pour l'enlever ça? Mince. Bon, c'est pas grave, elle est contente. Hop, ensuite. On doit vendre la baignoire. On doit nettoyer les tâches. On doit finition de surface. Tac et tac. Alors, tac. Faut que je fasse gaffe. À ne pas déborder. Ça va, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Il y a 3 étoiles, mais on n'a pas fini. Poser. Douche Paléno. Espace. Bon, je la mets comment la douche? Je peux pas la faire tourner? Ah non, ça veut pas. Ah si. Ah non, il veut pas. Ce serait plus logique comme ça. Ah, vas-y, hein, si tu veux qu'on te mette comme ça, on va te mettre comme ça, mais... c'est pas très très logique, quoi. On a fini? On a fini. Shift entry. Ok. Ouais, c'était un petit peu compliqué parce que je n'avais pas tout capté. Voilà. C'est quoi la prochaine? Tu commences à te faire à ton nom à Pinakov. J'ai vu que ce que tu as fait chez Jeanne. J'ai trouvé une vieille cabane qui pourrait se vendre à un bon prix. Elle a besoin de quelques minutes. D'accord. On fera ça la prochaine fois parce que c'est carrément toute une cabane à faire. Comme d'hab, on va à... On va, hop, on va s'occuper un petit peu de la maison vite fait. Ça, je peux le vendre. Plein de choses que je peux vendre, c'est ouf ça. Il y a quoi là-dedans? Allez, on va nettoyer ça. Ah, c'est un tableau, il est très moche. Ok. Ça c'est bon.
On va nettoyer ça. Oula! J'avais pas vu toute cette saleté. Ok. Un point d'amélioration dans la catégorie nettoyage. Spray nettoyant, vous pouvez désormais utiliser spray nettoyant. Ça me va. R pour vaporiser. Ah ouais, ça va beaucoup plus vite. Il y a marqué quoi? Quoi qu'il arrive, n'oublie pas que je t'aime. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ah ouais, à l'efficacité du spray. Rapide comme l'éclair. Il y a des plantes mortes. On en mettra des nouvelles. Il y a quoi là-dedans? Un petit train. Ah, c'est pour compléter les trains? C'est quoi ça? Ah, attends, ça allait pas là du coup. Ah, ça allait là. Y a quoi d'autre comme objet? Le petit train. Plus un truc comme ça du coup. On est tout bon là? Comment je fais pour faire démarrer le petit train? Déception. Il y a quelque chose qui va pas? Bon, peut-être que ça démarre pas. Hop, je viens de voir les tableaux là. On va faire ça vite fait. Oh la vache. Ah ouais, là faudra rénover tout quoi. Ouais, allez. Je passe l'aspirateur et puis on se laisse là. Voilà. Toujours un plaisir d'aller sur ce jeu. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.